croisade. François Palas. Solidarité avec les camarades. Les camarades. Solidarité avec les camarades. Le mouvement social. Solidarité avec les camarades du mouvement social. Solidarité avec les camarades du mouvement social. Libérer France, c'est l'heure de nous couper. Il voulait savoir ce que tout le monde le sait, pourquoi quand a été organisée la manif. Je lui ai dit que la manif a été annoncée dans la presse, dans la radio, par tract, par affiche, donc on ne comprend pas que la gendarmerie n'était pas au courant ce jour-là. Voilà. Je m'en demandais qui c'est qui chantait, je lui ai dit que ça ne le regardait pas, que j'avais rien déclaré. Rien à déclarer. Un chanteur. On t'a dit à l'abri. Ils m'ont dit que ma plaque d'immatriculation n'était pas visible. J'ai dit que c'était faux et en plus... Qui avait été caché par le drapeau de la CGT, que j'ai dit que c'était faux, je m'excuse, j'ai pas porté ma sonore. Nuisance sonore. C'est que les camions qui passaient ce jour-là faisaient plus de bruit que ma sonore, parce que moi j'ai dit qu'il ne faisait que 55 ici. À peu près. Voilà, c'est ça. Une heure. Ça a duré du temps. Mais oui, parce que les gendarmes, ils sont un peu comme moi, qui tapent. Je tenais quand même à vous remercier. Mais ce n'est pas que pour François Parra, le militant syndicaliste et politique. C'est pour tout le monde. Je lui ai dit, si ça ne le gênait pas d'être un outil au service de M. Castaner, bon, il a. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire. Eh ben voilà, ça j'en étais sûr. Bonjour, donc vous êtes venu en tant qu'élu, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe là ? Ben, il nous semble, disons, en tant qu'élu, que c'est important d'être là, hein, puisqu'il y a une atteinte, disons, à la démocratie, à la République, et les maires, ben, c'est les représentants de la vie publique, c'est les représentants de la démocratie, de la liberté individuelle, du droit de manifester. Et lorsque ces choses sont bafouées, ben c'est la moindre des choses que le maire sorte de sa mairie pour venir rencontrer les citoyens. Il me semblait que sur le fronton, il y avait écrit « Liberté, égalité, fraternité ». Voilà. On peut le rappeler quand même. Bonjour,
Véronique, est-ce que tu peux nous faire un petit commentaire sur ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, pour moi, c'était indispensable d'être là. Là, je crois que c'est insupportable, quoi. On est dans un pays où on a le droit de manifester, on a le droit de donner ses opinions. Et je pense qu'aujourd'hui, la pire des violences, ce n'est pas celle de manifester dehors. La pire des violences, c'est un gouvernement qui est complètement fermé à tous les cris qui montent du peuple, quoi. C'est pas possible qu'on en soit là, convoqué en plus à Tueil. Bon, les gendarmes, ils obéissent aux ordres, hein. Voilà. Mais c'est inacceptable, inacceptable. Et moi, je voulais venir passer un tout petit moment pour montrer mon soutien, parce qu'on est dans un pays de liberté. On a le droit d'occuper le domaine public pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. C'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour le dire. Et ça fait maintenant bientôt, avec les gilets jaunes, les manifs sur les retraites, les manifs dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est très important ce qui se passe par rapport à l'hôpital. Partout, partout, les citoyens se lèvent et on entend que la répression. Voilà, on est là aujourd'hui parce qu'on a des copains, parce qu'ils ont parlé dans un mégaphone, parce qu'ils ont mis une petite affichette sur un poteau, parce qu'ils disent la violence de ce gouvernement actuel. Et moi, je voulais être là pour le dire, tout simplement. D'une part, ça me fait plaisir qu'il y ait beaucoup de monde parce qu'il y a encore des gens qui sont attachés aux libertés publiques. Et d'autre part, ben, l'audience s'est bien passée. Et j'espère avoir réussi à exonérer tout le monde en disant que pour moi, la manifestation est tolérée. Suite à la visite des gendarmes qu'on avait eue à la maison avant les manifestations, ce dont la personne qui m'a interrogé n'était pas du tout au courant. Et donc, il va enquêter dans sa propre brigade pour voir... Je vous signale que le rassemblement est illégal. Toi, t'es bon pour aller. L'infraction, on risque de passer en tribunal judiciaire, ce qui remplace les tribunaux de grande instance et tout ça. Parce qu'ils ont été énervés parce que j'ai refusé de répondre aux questions. Relations, disons, de maire, ça se passe toujours en principe très cordialement. Hein. Alors, ça m'a dit que c'était le principe qui nous paraissait curieux, puisque justement les manifestations en Ardèche se passaient toujours. On va vous mettre devant la cellule, sinon on n'arrive pas à fermer le portail. Relations avec la gendarmerie, nous on a toujours des bonnes relations. On est trois maires là, on n'a pas à se plaindre des relations avec la gendarmerie. On comprend avec les méthodes. Enfin, cette méthode d'avoir filmé, d'avoir convoqué des gens, pourquoi certains, pourquoi pas d'autres, sous le milieu du travail, voilà, au niveau du milieu du travail aussi. Oui, on n'entend pas. Un peu de monde et...
ce type de méthode. Voilà. Donc ils nous ont dit que tous ceux qui avaient été convoqués avaient été contrôlés sur la manif de la Levade, tous, et que bon, bah, ils avaient reçu des ordres pour convoquer ces personnes-là. Et que par ailleurs, ils ont vu que la manif n'était pas déclarée, et que vu là où elle se situait, il y avait un problème de sécurité très important, d'autant plus qu'il y avait des écoles et une crèche, c'est ça. Ceci étant, tous les manifestants, tout le monde n'a pas été convoqué ici. Et ils ne savent pas du tout d'où viennent. Pourquoi d'où viennent. Ils ont une liste, pour eux, c'est des ordres. Comment ils ont procédé pour la rapidité de la même chose. Oui, mais moi, par rapport au lieu de travail, je trouve que c'est quand même. Moi, ça me choque que sur un lieu de travail, on puisse vous convoquer, en sachant très bien que ce lieu de travail peut être. Par rapport à des enfants, je trouve ça hyper choquant. Parce qu'on donne une image qui n'est pas forcément la meilleure et je trouve que c'est un peu sur son domicile, mais moi je ne confonds pas vie privée et vie professionnelle. C'est deux choses différentes. Ça, j'espère qu'il a entendu. Bien parlé. On leur a dit que ça, pour nous, c'était tout à fait normal en tant que maire, disons, de venir soutenir, parce que pour nous, il y avait une atteinte à la démocratie, à la liberté, à vos libertés, à nos libertés. Et voilà, pour nous, on était représentants, on était la vitrine de la démocratie. C'était la moindre des choses qu'en tant qu'élu, on soit présent avec vous. Bravo. Bravo.